إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله تغانيه بو الله سبحانه وتعالى تويلوز بو الله رب العالمين celui qui porte sur une faveur Allah subhanahu wa ta'ala regarde nous encore vivants. Alhamdulillah, tout grand dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout remerciement Allah Rabbul Alamin, celui qui a travers sur une faveur les vins choisir dignes à l'islam pour nous. Parce que l'imam, en tant qu'un musulman, chaque fois nous visons connaître au fond de nous les cœurs, nous visons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaissance envers Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur, faveur de l'islam principalement. Si aujourd'hui nous pouvons faire sijda pour Allah subhanahu wa ta'ala, si aujourd'hui nous pouvons suivre Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si aujourd'hui nous pouvons prendre tawhid Allah Rabbul Alamin au salat et là, c'est pas à cause de l'intelligence, c'est pas à cause du statut de la société, ni à cause la quantité de richesse qui nous est là, mais c'est simplement pour faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je t'ai dit mon plus malin qui nous, quand je t'ai dit mon possède plus beaucoup richesse qui nous, aujourd'hui, banna fait Allah, mais devant elle, t'apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, banna fait prier idole. Aujourd'hui, banna fait ado zako. Aujourd'hui, banna fait ado bans animaux. Alhamdulillah, pour faveur qu'Allah, Rabbul Alamin, t'y fait de nous. Si juste nous en tant que musulmans, nous réfléchissons sa faveur qu'Allah Rabbul Alamin fin fait là, automatiquement, il pouvait une petite chose facile qui nous en tant que musulmans, nous t'inifions le sedine. Presque qu'un imam, 3 semaines de cela, nous finissons vivre Ramadan. Nous finissons vivre sa mois sacré là comme dire, un extrêmement grand mois. Nous finissons pratiquer sunna Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous finissons faire des efforts pour ne pas rater aucun salat en jamaat. Nous finissons faire des efforts afin qu'il nous fasse maximum ibadah qui nous capable, qu'il y soit dans la journée ou bien qu'il y soit dans la nuit. Nous finissons essayer de faire des efforts pour rapprocher nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors avec ça, la fin de Ramadan, quand il arrive 3e semaine, nous visons poser nous-mêmes la question, est-ce que moi en tant que musulman, moi encore pareil pour mon petit dépendant le mois de Ramadan, ou bien est-ce qu'il me fin ça et ça y est un petit peu, ou bien est-ce qu'il me fin tomber dans le fond ça qui concerne l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman en réalité, il est fier et appartenir à din Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman en réalité, il compte l'amour qu'il y a pour Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au fond de l'équipe, frère Cheikh Naïman, nous visons reconnaître faveur Allah Rabbul Alamin l'onu. Il finit de nous l'occasion, il finit de nous sens, il finit de nous Jum'a après Jum'a, il finit de nous Ramadan après Ramadan, afin qu'il nous redresse nous la vie, afin qu'il nous vienne directement droit de l'assurance al mustaqim. En tant que musulman, frère Cheikh Naïman, nous visons connaître quelque chose, faveur de l'islam l'onu. Faveur qu'Allah Rabbul Alamin finit de nous sa dîna.
sa din na libasis du profit din da sa dunya la mais aussi da akhira Allah subhanahu wa ta'ala rijia wa man yattabi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et n'importe qui s'en a qui désire une autre religion autre que l'islam, certainement ça n'a pas pour être accepté de lui et dans akhira li pou parmi ban pieda. Alhamdulillah. Nous avons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous adorons Allah Rabbul Alamin à travers ça. Qui nous, incha'Allah, quand nous parlons des bouddhats qui viennent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons parmi les gagnants, parce qu'ils nous pouvons à travers Tawhid, nous pouvons avec din Allah subhanahu wa ta'ala qui prie. Frère Cheikh Naïman, donnez-nous en tant que musulmans, nous finissons gagner un din complet. Un din qu'Allah Rabbul Alamin fin de nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Un din qui, ban agent de shaitan, qu'il y soit pas un ban djinn ou bien ban insan, ban nape refait tout, afin qu'il dit mouna les restes avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y soit djinn, qu'il y soit insan, ban nape redémarque musulman depuis le droit chemin. Ben n'appelons égaux musulmans depuis le droit chemin. En réalité, quand nous guettons Iblis, il fin pense sur l'existence. Depuis création de Adam alayhi salam, jusqu'à Essa, jusqu'à Priyama, il faut essayer de faire ce bon effort pour éloigner le monde depuis din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans, nous visons préparer nous-mêmes pour ça la guerre là. Nous, en tant que musulmans, nous visons préparer nous-mêmes pour qu'il nous la fronde du pli pied l'ennemi. Iblis li là, avec ce ban d'attaque, avec ce ban agent, vous êtes là pour induire ban di moun depuis le droit chemin, vous êtes là pour qui ban di moun vous êtes égaré, qu'il y soit zénès, ou soit qu'il y soit un di moun qui âgé, Shaitan ce ban d'attaque li là pour tout ban di moun. Et quand nous étudions le Coran et Hadith Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'Allah Rabbul Alamin et ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les filles mettent grand en face, donc ça qui chose là, veut dire nous restons avec Iblis, nous restons avec Shaitan, et Allah Rabbul Alamin et ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles faire nous connaître. Qui Iblis dit là pour Banjimoun, Iblis dit là pour défier Banjimoun, et parmi ban qui chose. Et parmi les actions qui Iblis lui fait, afin qu'il lui fasse ban zénès, afin qu'il lui fasse ban djimoun âgé, afin qu'il lui fasse ban moussalman en général, de être dévié depuis le droit chemin, c'est qu'Iblis lui tente ban djimoun pour imiter Koufar. Iblis lui tente ban djimoun pour imiter Koufar. Nous, en réalité, frère Cheikh Naïman, nous finissons avec le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dans l'exemple de Rasulallah sallam, Allah est parfait. Nous, en tant que musulmans, nous supposons suivre ce modèle-là. Nous, en tant que musulmans, nous supposons abattre nous-mêmes avec la loi de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en tant que musulmans, nous supposons pratiquer maximum sunna de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Azoti ni chagrina, quand nous guettons Banzéné surtout, nous trouvons Banna de plus en plus, je fais CS imitation de l'Ondo d'Apôtre Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit dans notre habillement, qu'il y soit dans notre façon de manger, qu'il y soit dans notre façon de dire, ou trouvons Banna de plus en plus, je fais imiter l'Ondo d'Apôtre Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, frère Cheikh Naïman, qu'il y soit jeune ou bien qu'il y soit un djimoun âgé, nous visons qui nous modèle c'est Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous visons que les salifs ont parti pour un bon enseignement primordial de din Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous en tant que musulmans, nous n'a pas supposé imiter ban koufar. Qui nous en tant que musulmans, nous obligés contre et dire ban koufar. Allah Rabbul Alamin dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ensuite nous fin mettons le en sharia, ensuite nous fin mettons le en sharia de nos commandements, alors suivez-le et pas suivre passion de ban qui n'a pas connu. Mais Allah Rabbul Alamin les pécoses concernent le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous fin mettons le en sharia, mais déjà fin mettons nous Ummad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le en la loi.
Nous fin gay en guide. Nous fin gay en ni parole Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fin gay en modèle pour faire la personne de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'a pas supposé si ce modèle. Nous n'a pas supposé imitateur. Nous n'a pas supposé imitatrice. Nous n'a pas supposé imiter footballeur ou bien n'importe qui sana. Parce que nous en tant que musulmans, en donnant les pieds, nous n'a fierté nous apporter ni à Sadina. C'est nous fierté nous en tant que musulmans, nous apporter ni à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est fierté nous en tant que Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous fingons le meilleur Rasoul pour nous suivre. Pas ce que l'Iman. Imaginez un petit peu, pendant le mois de Ramadan, quand tu peux faire des efforts pour habiller islamiquement, qu'il y soit bonne soeur, que tu peux faire des efforts pour couvrir ta tête, que tu peux faire des efforts pour mettre le jilbab, qu'il y soit bonne frère, que tu peux faire une salat, tu peux faire des efforts pour mettre le thob, tu peux garder un petit peu la barbe, tu peux faire des efforts au moins pour montrer l'appartenance à l'islam. Ouais, c'est que l'imam, qui fait aujourd'hui? Trois semaines après Ramadan, nous trouvons qu'il s'abandonne manière de plus en plus d'y aller. Qui fait après trois semaines après le mois de Ramadan, nous encore retournons nous mettre l'habitude ancienne. Nous encore peut marcher, nous encore peut imiter kuffar, nous encore peut imiter footballer. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إذا ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit, il n'est pas parmi nous, celui qui imite ban les autres communautés à part nous, n'a pas imite ban juif et non plus imite ban chrétien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole dit clair, n'a pas imite ban juif, n'a pas imite ban chrétien, et ça dit mouna, il n'a pas parmi Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frère que l'imam, pose même la question à ce qui est là, au fond de vous les guerres. Est-ce qu'il vous finit pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme modèle? Oh toi, Cheikh Naïman, pose-toi même la question. Est-ce qu'il vous finit pour Abad Madame de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle? Est-ce qu'il de nous façon oisir, de nous battre l'habillement, de nous façon poser, de nous ribader de n'importe qui chose, nous peut ressembler Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous peut ressembler Ban Sahaba, nous peut ressembler Ban Sahabiyat? Ou bien est-ce qu'il de plus en plus, quand quelqu'un de musulman n'a marché, n'est plus la différence entre avec sa kafir là, n'est plus la différence entre avec sa footballer là, n'est plus la différence entre avec sa santé là. Ouais, c'est que l'imam, en réalité, c'est un musulman, les filles comprennent la réalité de message de l'islam, ça dit moula, jamais une fois, imite le rapport de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que nous, en tant que musulmans, nous capables de permettre nous-mêmes, après que la guidance vienne vers nous, après que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce bonne parole vienne préserver pour nous, nous capables de quitter ce modèle parfait là, nous allons imiter l'autre. Pose-vous même la question. Un enfant qui finit gain 6 à plus de 6 gemmes, est-ce que ces enfants-là sont capables de suivre un enfant qui finit fait? Vous pouvez répondre pas pour la négative. Un dimon qui vient faire chessie avec un extrêmement bon résultat. Est-ce qu'il est capable de suivre un dimon qui vient faire le formule ou bien si j'aime? Ou pour répondre ma parole négative, ben c'est comme ça même dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons gagner un modèle parfait en la personne de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il est capable de permettre nous-mêmes? Comment est-ce qu'il est capable de permettre nous-mêmes? Nous allons imiter le tapot de sa meilleure Rasoul là. Comment est-ce qu'il est capable de permettre nous-mêmes? Nous venons gagner un meilleur insan comme modèle. Nous allons imiter un qui piado kabab. Nous allons imiter un qui se servait pour manger un bouffon. Ou bien nous allons imiter un qui peut calmer avec Shaitan. Ouais, c'est que l'imam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لجيا سلكتمو et ensuite nous finis donner la vie et nous finis placer une lumière pour lui avec laquelle il marche parmi Benjamin. Est-ce qu'il y paraît comme celui qui dans les ténèbres et il n'est pas capable de sortir de ça comme ça même qui ban action de ban kuffar il finit être embelli par ban là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner la différence. Un dimoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient donner la lumière.
Il capable pareil comme un dimon qui pas capable pour un chemin un devant l'autre. C'est comme ça même quelqu'un qui va pour faire. Je vite essayer en bénir je bonne action. C'est comme ça même aux autres qui nous trouvent un dimon de plus en plus. Je pète homme devant pied Shaitan. Qu'il soit garçon ou bien qu'il soit tifi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya. Walladina kadhabu bi ayatina. Summum wa bukmun fi dhulumat. Ban qui finit de mentir, ban ayat pour an, je ban sous ennuyé et je dans l'obscurité. Alhamdulillah. Nous finissons la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons la guidance avec Allah Rabbul Alamin. Le Coran finit préservé. Hadith Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit préservé. Alors qui fait le numéro d'un autre modèle à part Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il aujourd'hui? Nous pouvons sentir nous-mêmes fiers quand nous pouvons mettre un lèse qui n'a pas qu'à fil à l'oeil. Mais seulement pour que nous pratiquons la sunnah de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnerons des bouts pour impourer sans le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand je t'ai dit mon aujourd'hui, frère Cheikh Naïman, nous avons tout fini d'entendre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un livre en paix qui a dit mon livre d'un lèse qui n'est pas ce cheville. Quand vous êtes Saban Timon, ou bien vous êtes Saban Zenes, ou bien vous êtes Saban Zenes, vous avez honte pour mettre un pont dans nos pareils. Mais seulement, quand ça acte là, ou bien quand ça sentie là, ou bien pas n'importe qui s'en a, les commence à mettre un pantalon là où se cheville, on trouve sa jeunesse pour Salman là, lui-même devant pour l'imiter. On trouve sa jeunesse pour Salman là, lui-même devant pour elle commence à couper ce pantalon. Ouais, c'est que l'imam. Quand est-ce qu'il nous piale? Comment est-ce que nous, en tant que musulmans, nous pouvons oser quitter l'enseignement de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce que nous, en tant que musulmans, nous pouvons oser quitter l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ensuite nous pouvons suivre l'enseignement d'un de ta part de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? En réalité, frère Cheikh Naïman, nous fiers que nous trouvons dans l'islam. Nous fiers de l'étroupe de sunna Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin fin olonu. Allah subhanahu wa ta'ala fin tiennu de l'obscurité. Allah Rabbul Alamin fin de nous en guidance. Alhamdulillah, c'est à nous pour faire des efforts. C'est à nous pour suivre Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à nous pour sentir nous-mêmes fiers qui nous apportent ni à sa dîna. Pareil pour moi, banque couffard, je te sens, je te même fier, je t'apporte ni à telle équipe. Je te sens, je te même fier, je t'apporte ni à telle base. Je te sens, je te même fier, je t'apporte ni à tel mouvement. Nous, en tant qu'un musulman, nous visons sentir nous même fiers, nous apporte ni à Oumbat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa fierté là, nous visons démontrer ni à pas. Sa fierté là, nous visons démontrer ni de façon qui nous habille et de façon qui nous comporte dans la société. Il n'est pas possible, frère Cheikh Naïman, qui est un musulman qui est un petit peu pour un de sur l'équerre. Un musulman qui est un petit peu pour un de sur l'équerre. Il peut oser à le suivre. Un dimoun qui peut inviter vers l'invocation de Shaitan. Un dimoun qui est un petit peu pour un de sur l'équerre. Il n'est pas possible qu'il y ait limite un pouvoir qui, dans ma tête, en tout cas, peut résoudre la musique. Un dimoun qui est un petit peu. Un petit peu pour un de sur l'équerre. Il n'est pas possible qu'il y ait limité le tabac Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous en tant qu'un musulman, Bankena Omar Tastajdalo Zotleko, comment est-ce qu'il nous capable de permettre nous-mêmes, nous en imiter un footballeur qui Roussal Zameli fin faire de sur la vie? Ouais, c'est qu'il y a un imam. Nous visons rappeler tout ça, ben, qu'il chose là. Parce que nous, en tant que musulmans, nous fiers de l'itrouzis dans l'islam. Omar radiallahu anhu, il dit une parole. Il dit avant la venue de l'islam, nous sommes un peuple qui est dans la perdition. Et l'islam vient de nous le nerf. Si nous retenons le nerf de une autre petite chose à part l'islam, Allah Rabbul Alamin, il peut déjeuner nous. Parole de Omar radiallahu anhu, des jeunes califes de l'islam. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala finit de donner la bonne nouvelle de Jannah l'Ur Salatiyala. Celui qui voulait le miel ou elle le dîne apporte l'islam. Mais j'ai dit que suivre le petit chose apporte ce dîne. Allah Rabbul Alamin, il déshonore sa dîmoun là. C'est ça même qui nous peut trouver aujourd'hui, frère Cheikh Naïman.
C'est ça même qui nous fait trouver. Quand nous fait trouver, ça c'est responsablement dans l'hypémancé. Et tout le monde peut trouver, hein? Et tout le monde peut trouver un de vrai qui lui fait mettre. Quand nous fait trouver, ça c'est responsablement dans l'hypémancé. Il fait mettre un nasgolé, il fait mettre un, et il fait juste mettre un diable sur la tête. Quand nous trouvons ça, c'est responsablement la pémence. Nous trouvons ce spécificité. Nous trouvons ça, c'est responsablement de plus en plus. Je suis à la limite, man, pour faire. Quand est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les films permettent un garçon pour mettre la scène? Quand est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les films permettent un michel pour mettre cap de cela, mais? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les films font nous connaître qui ban olma, les coups ban madame, ban olma. Ban bisou li pou ban madame, c'est ban madame qui suppose mettre ça afin qu'ils se parlent de même belle. Mais qui fait nous aujourd'hui nous salman? Aujourd'hui c'est les pour salman, autour lui même avec une fierté, lui met un cap de cela, mais avec une fierté, lui met un nassin autour de ce licou. Quand l'enseignement de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand l'enseignement de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous l'amour pour Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Neyman, pose même la question, si un zénès pareil, de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il se présente lui-même d'une telle façon, devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec ce lacet, avec ce cap, avec ce pantalon taille basse, avec ce underwear qui toujours nous fait trouver, qui pour réaction de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui pour réaction devant Sahaba radiallahu anhum, aujourd'hui, Haya finit enlevé. Aujourd'hui, on est capable de demander à un grand monde qui finit vivre longtemps. Mais nous, Bandada, de l'époque avant, jamais un monde qui peut permettre lui-même un vin avec un de ouais devant ses parents. Jamais un enfant, il peut permettre lui-même pour habiller indécemment devant ses parents. Mais aujourd'hui, il finit le contraire. Aujourd'hui, il finit le contraire. Quand ça se laisse ça, il peut manger, ça se laisse pour ça le manna. Et tout le monde peut trouver ce mort et ce couleur underwear. C'est comme on dit avec une fierté. Tout le monde dans l'endroit finit trouver qu'il n'y a pas de mettre aujourd'hui. Tout le monde dans l'endroit peut connaître qui mort qu'il finit mettre aujourd'hui. Ouais, c'est que l'Iman, quand nous haya, quand nous en tant que musulman, quand nous supposons responsables dans le bon monde, quand nous supposons être haya au fond de nous les guerres, quand nous supposons être gagnés honte, aujourd'hui c'est responsablement de paiement, c'est là aussi, mais aujourd'hui c'est responsablement de paiement, c'est là aussi, mais paiement n'a aucune honte. C'est responsablement de trapper sa cigarette, la paiement, c'est pour le nom de Ramadan, sans aucune honte. C'est responsablement de casser aux envois la boutique pour le nom de Ramadan, les paiements le coca sans aucune honte. Ouais, c'est que l'Iman. Ça c'est bon défait qui en tant qu'un djimoun il finit mit koufar. De plus en plus, tant qu'il paye, tant qu'il pour imit banna, ou pour trouver banna pour rechouer avec din Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala lijia. Wadda kathirun min ahli kitab. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah Rabbul Alamin lijia. Beaucoup moi m'en ahlu le kitab, j'ai ban juste ban chrétien, je suis content qu'ils se retournent, je suis comme ban koufar, mais j'ai fait ban moussalman retourne dans koufre, après qu'ils ont finalement une image, et par la jalousie de ce port, après qu'il avait quitté une clair avant là, Allah Rabbul Alamin dit, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Allah Rabbul Alamin dit, banna ti content qu'ils se fait coufre, pareil, comment banna fin fait coufre, afin qu'ils se vignent pareil, mais ils se vignent égal, ils se vignent égal dans coufre. Donc, frère, c'est que l'imam, comment est-ce qu'il est capable de vignes égal à banna? Comment est-ce qu'il est capable d'imiter banna? Comment est-ce qu'il est capable de ressembler banna? Comment est-ce qu'il est capable de tomber dans pied devant Shaitan? Nous capables de tomber dans pied devant Koufar? Quand en réalité, banna qui a envie de nous rester avec nous dit, quand je t'ai zéné ça aujourd'hui, le fait à quoi qu'il y ait mettre un zèle sur la tête, il passe devant Mazid, et avant de donner sur la pelle des bouts, ou trouve ça zéné ça, il gagne honte pour rendre Mazid qui fait. Tension d'aller quand il y a le fer massage sur la tête, ce zèle cassé, et Jimoun n'a pas bougé qu'il est au chemin. Ça c'est réalité qui nous fait vivre. C'est réalité qui nous fait vivre. Ouais, c'est que Neymar, ça c'est ban l'effet de limitation. Ban l'effet à travers laquelle Shaitan y peut égorger du monde depuis le chemin droit. Et Shaitan y peut rôle, ça c'est l'esprit salman là même. Shaitan se l'attaque, non, c'est l'esprit salman.
Shaitan, cela attaque l'innovant future génération. Alors c'est à nous de prendre un selon nous, afin qu'il nous prenne une bonne précaution, nous faire ses efforts, nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il ne va pas tomber devant le piège de Shaitan. Frère Kéleïman, en réalité, nous en tant qu'un musulman, nous l'objectif c'est gagner Jannah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en tant qu'un musulman, nous visons qu'on est qui fait Allah Rabbul Alamin fin créé nous. Allah Rabbul Alamin dit Wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Nous n'avons pas fin créé aucun djinn et insan, excepté pour qu'ils aient fait mon ibadah. Nous en tant qu'un musulman, nous l'objectif c'est faire ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'objectif c'est gagner Jannah avec Allah Rabbul Alamin. الله سبحانه وتعالى لجيا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز celui qui vient épargné de l'enfer et vient advenir dans jannah certainement sa djimoun la fin fait la réussite. C'est ça nous l'objectif en tant qu'un musulman, vivre de l'obéissance à Allah, suivre sunna rasoul sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils ouvrent pas le début d'adhibin à l'Allah rabbul alamin. Nous vivons une forme ibane qui pour faire la réussite Bande qui peut être admis dans Jannatul Firdaws. C'est vrai, Cheikh Leïman. Quand un djimoun peut imiter le tafad Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas si mes Jannat, il s'agit d'un djimoun, il ne fait pas. On ne fait qu'il sa imitation là. Il peut faire sa zénéchla ou bien sa djimoun là, reste avec ce dîme. Sa djimoun qui peut imiter sa koufad là, ou bien il peut imiter le tafad Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut prendre un chemin qui permet vers l'enfer. Ouais, Cheikh Leïman. Aujourd'hui, Quand on dit n'importe qui s'en a, aujourd'hui, quand on trouve certaines bandes, je gagne honte pour présenter comme musulman, je gagne honte pour répondre salam, je gagne honte quand je trouve ce frère au chemin pour faire salam à ce frère, je gagne honte pour pratiquer certaines sunnas de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pépère, attends, je suis le collègue pour faire de bureau, pour dire ça, je suis le collègue pour faire de Ou bien ça dit mon ali fin vin, c'est pas de qualité. Au contraire, un musulman c'est un qui fier de ce din. Un musulman c'est un qui pratique ce din. N'importe qui quand j'étais tasse, n'a pas capable avec l'ONU. N'importe qui quand j'étais bouffonnerie, n'a pas capable faire avec nous. Mais nous en tant qu'un musulman, nous visons connaître Allah Rabbul Alamin, peut reconnaître nous. Qui nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut fier de nous. Qui nous en tant qu'un musulman, nous peut imiter Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, Cheikh Leïman, aujourd'hui quand nous guettons dans certains bains musulmans, qu'Allah Rabbul Alamin dit Dieu. Nous trouvons qu'il va nous faire gagner honte. Je ne même gagner honte jusqu'à pour pratiquer salat. Je ne même gagner honte jusqu'à pour pratiquer les abandonnements de Ramadan. Je ne même gagner honte pour un poil pauvre, je ne peux pas dire. C'est un imam. Ça, c'est l'effet de l'imitation. Tant que ça dit, nous allons vivre une circonstance à travers laquelle fin canvas sur la tête. Fin faire les croire. Ou bien fin faire sa jeunesse la croire. Qui c'est sa même chemin qui te vise un pas. Quand ça j'ai des salles, il peut y avoir une série. Ou bien j'ai des salles, il peut y avoir une santé, il peut y avoir n'importe qui s'en a. Quand on peut faire un bourrage de crâne avec lui, on peut faire lui croire qu'il sait ça même la belle vie. Un dimoun mis à même l'eau salatée là. C'est en tant qu'un jeunesse que mis à juillet de jeunesse. Non, frère, c'est qu'il est mal. Au trois jeunes, connaît qu'Allah Rabbul Alamin, il vient réserver une grande place. Pour un jeune qui t'y ferme l'eau se dîne. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient nous connaître le jour de Qiyama. Quand le soleil pour coster avec Djimoun, quand Djimoun pour débout de Poitain, avant qu'ils disent commencer, qu'on a une attente, qui personne n'a pas connu, qui quantité sur Djimoun pour être. Soleil pour coster avec Djimoun, qu'on a certains Djimoun qui pour noyer dans une transpiration, qu'on a certains Djimoun, transpiration pour venir sa faute de coude, et n'assiste qu'à faute de cliquer. Mais il y a certains qui ne peuvent pas faire du choix de la Je ne peux être sauvé depuis sa soleil ardente là. Parmi la dent, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wa shabu nash'ata fi ibadatillah. Et un zénesse qui finit ce zénesse de l'adoration à Allah, Rabbul Alamin. Sa zénesse là, il peut en ballon bras, trône Allah subhanahu wa ta'ala. Sa zénesse là, il peut en ballon bras, trône Allah, Rabbul Alamin. Finissez les deux de l'adoration à Allah Rabbul Alamin. C'est pas pédé sa jeunesse là. Reste dans la musique 24 ou 24.
ou bien c'est cruauté de mazid, non. Mais reste de ribadat Allah Rabbul Alameen. C'est faire quelque chose qu'Allah Rabbul Alameen fin nous donne pour faire. Et reste là avec ben quelque chose qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fin empêcher. Oh toi jeune, ton vie gagne, ça va bien là avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Casse ta bonne habitude là, arrête imite ban foufar, arrête imite ban santé, parce qu'il ban la zame bouvine pour nous. Ban foufar, c'est ban foufar, nous ban musulman, nous ban qu'Allah Rabbul Alameen fin met iman de nous l'équerre. Nous en tant que musulmans, nous visons fiers de nous apporter ni à sa dîne là. Autre qui nous gagne les bonbons de sa dunya là, de l'akhira, Allah Rabbul Alameen fait des yeux ben grand place pour nous. Alors, ô toi jeune garçon, oh toi jeune fille, pratique te dîne pour ma bizarre. Tini ferme avec dîne Allah Subhanahu wa Ta'ala. Attrape ferme l'enseignement de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zame senti domen abaissé quand le pratique te dîne. Mais au contraire, mais devant tout ça, ban zénèche là. Quand demain trouve te plus celle de ta place, mais garde un petit lavab. Demain trouve te plus celle de ta place, mais mettez le babi diab pour ma bizarre. Te bizarre, ben merci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce qu'Allah Rabbul Alameen, les vins sauvent quand les pis les gamins. Allah Rabbul Alameen, les vins choisissent toi. Pour une ban qui fait pour une ban qui vraiment peut suivre ce l'enseignement. Allah Rabbul Alameen, les vins choisissent toi. Pour sortir en dehors l'obscurité. Allo frère, ce qu'il y a, qu'il y soit parent, ou bien qu'il y soit un ZS, ou bien n'importe qui s'en a, c'est nous devoir pour encourager Banjimul, c'est nous devoir pour encourager Banjan, faire je retourne vers la case Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est nous devoir pour montrer je le côté de l'islam, c'est nous devoir pour montrer je comment est-ce que nous en tant que musulmans, nous visons fiers de nous apporter ni à sa dîme là, comment nous en tant que musulmans, nous différons de Bankoufar, de toute façon qui y était. Alors frère Cheikh Neyman, arrête d'imiter Bankoufar. Nous en tant que musulmans, nous finissons gagner un modèle parfait. Nous en tant que musulmans, Allah Rabbul Alameen fin honore nous. Faut des panneaux cesserait court. Faut des panneaux limiter nos amours. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demande Allah Rabbul Alameen, pardonne nous baisser. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il donne nous courage pour pratiquer ce dîne comme un bizarre. Qu'Allah Rabbul Alameen fait nous pour la vérité vraie et fausse et fausse. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il mette la lumière de l'islam dans nous. Qu'Allah Rabbul Alameen, il donne nous courage pour pratiquer ce dîne comme un bizarre. Qu'Allah Rabbul Alameen, il pardonne nous pas baisser. Qu'Allah Rabbul Alameen, il guide nous vers le chemin droit. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait nous même être fiers qui nous bat musulmans. Qu'Allah Rabbul Alameen, il fait nous suivre sunna de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il donne nous l'amour de kalima du tawhid, la ilaha illallah. Et qu'Allah Rabbul Alameen, il donne nous jannat au fidous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.